L'intelligence originelle. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Aujourd'hui, dans le cadre des énergies du mois et de la reconnexion cristalline du mois, je viens vous parler d'intelligence originelle, notamment avec le portail 11-11 en ce moment et cette droiture, cette puissance qui s'impose naturellement pour ceux qui se rendent disponibles, évidemment. Il y a l'intelligence originelle qui cherche à prendre toute la place. Parfois, on l'appelle l'intelligence du cœur, mais on peut la voir de façon un petit peu réduite, de façon spatiale. Alors que cette intelligence originelle, en fait, elle vient transcender toute notion d'intelligence mentale, d'intelligence analytique, d'intelligence logique. C'est comme une intelligence qui prend en compte tous les éléments dans l'univers, tous les paramètres, dans tous les mondes, dans toutes les dimensions, dans toutes les réalités, et qui permet de prendre des décisions à partir de là, qui permet de poser un acte à partir de là. Et en fait, il s'agit simplement de se rendre disponible afin que cette intelligence prenne toute la place. Elle vient tout transcender. Donc en fait, c'est un peu une série de deux vidéos avec l'intelligence originelle en premier, et ensuite je ferai le mental originel et l'illusion de passer du mental au cœur. Et voilà, ça commence par ça. Ça commence à ouvrir cet espace d'une intelligence qui est tellement vaste qu'elle englobe tout. Et que quand vous avez des décisions à prendre, et des actes, des projets, des choses à poser en ce monde, à créer en ce monde, eh bien, ça peut se faire à partir d'un espace qui prend en compte toute la réalité, toutes les dimensions. Et qu'est-ce que ça fait en fait, juste être en lien avec ça, avec tous les paramètres de façon universelle et multidimensionnelle? Donc, en fait, quand s'invite l'intelligence originelle à travers soi, ça ne veut pas dire que d'un coup on sait tout. Parce que l'intelligence originelle fait l'expérience aussi de ce qu'est d'être dans un corps qui est limité et qui filtre les informations. Mais on a la compréhension intuitive de ce qui doit être posé, de la décision ou de l'acte qui doit être posé. Et en fait, dans la vie, c'est un petit peu un gigantesque jeu de hasard quand on est un être humain, parce qu'on peut pas tout savoir. On sait pas comment ça va se passer, on sait pas quels sont les événements qui vont s'en suivre, simplement on sait pas de quoi sera fait demain, on sait pas de quoi sera fait la prochaine seconde, même si on peut avoir une intuition de comment les choses vont se passer. D'une certaine façon, il y a un grand jeu de hasard qui se fait à chaque instant, et c'est le jeu de la vie qui se dévoile pour soi à chaque instant. Et donc c'est là où on peut juste avec toute l'humilité du monde s'en remettre à ce qui est infiniment plus vaste que soi, et à laisser cette intelligence prendre toute la place, s'installer. C'est l'intelligence du cœur, de certaine façon. Quand le cœur il s'expanse et il embrasse tout ce que je suis à l'infini de toute éternité, alors il y a comme cette connaissance intuitive qui peut prendre toute la place. Et à partir de là, vous savez quoi faire. Et parfois, il n'y a rien à faire. Mais vous savez quoi faire, vous savez quel acte poser. Et ça vient transcender, encore une fois, toute notion de logique. Quand parfois, on sait devoir faire quelque chose à ce moment-là parce qu'il y a eu tels événements avant, ou parce qu'après, il va se passer ci, parce qu'il y a tel paramètre. En fait, tout ça est transcendé. Parce que cette analyse-là n'a plus lieu d'être. Et on peut juste être au service de la connaissance intuitive, l'acte intuitif qui doit être posé dans l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser un cadre avec une structure et avec des éléments logiques qui viennent permettre de s'installer, de construire quelque chose dans lequel on se sent en confiance. Mais quand le cadre est posé, voilà, juste l'oublier et se laisser porter par la magie de la vie, par cette intelligence universelle sacrée, et la laisser accomplir son œuvre sacrée dans le monde. Et c'est cela, en fait, cette transition vers la nouvelle humanité impose cela naturellement, que la logique soit transcendée, pour que cette intelligence originelle sacrée puisse prendre toute la place et accomplir l'œuvre divine sacrée en ce monde. Je reviens vers vous d'ici quelques jours avec le mental originel et cette illusion de passer du mental au cœur. Et donc ce mois-ci, ce sera le 21 novembre, la reconnexion cristalline en lien avec ces énergies-là et avec le portail du 11-11 pour lequel on a déjà fait une initiation, mais qui seront, qui
sera toujours aussi présente en préparation du portail 12-12 aussi. Joie de vous y retrouver d'ici là. Vivez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.